Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, Attack on Titan UHC. Inspiré du manga portant le même nom, dans ce mode de jeu, trois camps principaux s'affrontent. Les soldats, les titans et les shifters. À l'annonce des rôles, si vous tombez dans un de ces camps, votre but sera d'éliminer tous les autres. Jusqu'à maintenant, dans la version du mode de jeu sur laquelle nous jouions, seulement un rôle avait la possibilité d'équilibrer la game, avec comme but final de gagner solo. Il s'agit du titan ultime. Et si je vous disais qu'à partir de maintenant, 4 rôles solo seraient capables de renverser le cours d'une partie. Les amis, bienvenue dans une nouvelle version de AOT UHC, la V3. Une version largement supérieure et améliorée par rapport à la V1. Une version dans laquelle vous pourrez toujours devenir vos héros préférés, comme Mikasa, Levi, Erwin, Armin, ou encore le titan Bestial, Colossal ou Cuirassé. Mais aussi de nouveaux rôles comme Eren, Gabi, Annie, le titan Charrette ou encore le titan Marteau. Pour ce qui est des anciens rôles, ils ont tous été améliorés. Par exemple, Mikasa qui dans la V1 avait speed 3 permanent et qui se faisait donc repérer beaucoup trop facilement, et bien dans cette nouvelle version, Mikasa possède les effets force 1 et speed 1 constant. Et cette fois-ci, si Eren meurt, elle ne mourra pas à son tour. Elle obtiendra speed 3 et force 1 pendant 30 secondes et écopera de weakness 1 jusqu'à sa mort. Vous l'aurez compris, cette nouvelle version du mode de jeu est clairement la meilleure. Et laissez-moi vous dire que vous allez pouvoir essayer cette nouvelle version et à votre tour jouer vos propres games en Attack on Titan UHC. Puisqu'à partir d'aujourd'hui sur le serveur Golden UHC, qui est le serveur officiel du mode de jeu, vous pourrez retrouver des games sur la V1 et la V3. Toutes les informations concernant le serveur, comme l'IP et le Discord pour être au courant des prochaines games, se trouvent en description. Sachez également que ce soir, ce samedi 30 janvier à 21h, je serai en stream sur Twitch pour découvrir avec vous cette nouvelle version du mode de jeu. Le lien de ma chaîne Twitch se trouve également en description, j'espère vous voir nombreux. Ceci étant dit, revenons à la vidéo, c'est l'heure de l'annonce des rôles. Je suis donc Connie et mon objectif est de gagner avec les soldats. J'ai un sucre enchanté qui, à son activation, me donnera l'effet speed 2 pendant 2 minutes. Je pourrai utiliser ce pouvoir toutes les 4 minutes. Et oui, c'est tout. Mais je fais partie de l'équipe des soldats, l'équipe la plus nombreuse. Et nous pouvons devenir encore plus nombreux si Annie rejoint notre camp. Annie est un nouveau rôle qui doit au départ gagner seul, mais peut rejoindre soit les soldats, soit les shifters. Pour ce faire, il suffit que Magat, du côté des shifters, ou Kate Shadis, du côté des soldats, reste près d'elle un maximum de temps afin de l'enrôler. Le premier des deux qui restera le plus longtemps proche d'elle obtiendra Annie dans son équipe. Et ce rôle n'est pas à négliger, car elle possède une plume enchantée qui à son activation lui donne speed 2, force 1 et résistance 1. Quant à moi, mon objectif principal sera de faire comprendre à mes mates que je suis Connie. Vu que je ne connais personne à l'annonce de mon rôle, je n'ai aucune idée de qui sont mes mates. Par conséquent, le seul moyen de les faire venir à moi est de constamment utiliser mon pouvoir. Speed 2 est un effet très visible qui ne passera sûrement pas inaperçu, mais cette stratégie pourrait se retourner contre moi. Il faudra alors être vigilant dès l'arrivée au centre. Hey, bonsoir à toi. Salut. Ça va? Ouais, ça va, et toi? Tranquille, tranquille, hein. Cool. Alors, t'as déjà croisé des gens ou pas? Non, non, t'es le premier que je croise. Ok. Mais vu qu'il a 10 groupes de 5, à mon avis, il doit y avoir des gens, ouais. Yo, mec. Et bonsoir. Comment on va? Ça va, et toi? Déjà d'abso? Déjà dans l'intention d'attaquer? Mm-hmm. Ouais, 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 c'est parti, là. Cerclé, t'as dit quoi là en fait? Il faut que t'avoues quelque chose, bon. Hein. J'aurais pris des dégâts, tu t'étais mort. Hein, je le dis. Ah ouais, d'accord. Ça aurait été sympa, putain. Au moins, j'ai 3 gaps, c'est déjà ça. Merci par ailleurs. Je retiendrai ce geste incroyable en te fumant. Allô? C'est pas maintenant, s'il te plaît. Le vieux Younes là. J'avoue, c'est toi qui es vieux, connard. Quoi, t'as un problème? Tiens là, toi. T'aurais pas des bonnes keepstats toi un peu dans le Je me suis dit c'était. Je me suis dit que t'es le seul à avoir remarqué, t'es le seul à me regarder bizarre tous les autres. Ah frère, mais... Ah non, je suis pas le seul, je sais que je suis pas le seul à avoir remarqué hein, mais Ah ouais. Ah oui, ça... j'étais en mode mais attends, y'a un souci là. Ah mais y'avait que toi qui montrais que tu l'avais remarqué genre. Tu connais ensemble Snarky? Ouais si tu veux. Bon après je fais vraiment rien de toi mais bon au bout d'un moment hein. Oh bah globalement je sais pas, je te sens... Je sens pacifiste genre. Yo les gars mais attends. Ajax. Ouais. Ah ok, la mienne non plus. Ouais ouais. Wesh, t'as entendu? Si on a vraiment entendu ce qu'on a entendu là, c'est croustillant quand même. Non mais ils savaient très bien qu'on les entendait là donc Oh tu sais que tu loupas il est très con, c'est... Ah je sais pas quand même, ça me paraît gros là.
Bon, ça me paraît gros. Moi, je retiens quand même, t'sais. C'est jamais... Ouais, il y avait qui, du coup? Il y avait Drajox, il y avait Amine, il y avait Delta, et Upai. Et il y avait un dernier, mais j'ai pas vu. Après, c'est vrai que dire ça à 5... Mais ça va bouffer ses couilles, mais non. Les gars. Et Thomas, bouffe pas tes couilles, Et là, c'est l'incompréhension. Lupai, que nous pensions être le bestial, vient de mettre la liste de ses potentiels mates dans le chat. Normalement, au cours de la partie, le chat n'est pas activé. A mon avis, il a dû faire ça pour retenir les pseudos, et pas dans l'intention de donner les pseudos à tout le monde. Cependant, une aussi grosse liste de pseudos donnés ne laisse pas plus de choix. Drashiox, Ghost Snowball, Delta Fox et Amine sont forcément des titans. Et Lupai également, a priori. Le seul moyen de connaître la signification de ce message est directement d'aller lui demander. Quoi qu'il en soit, ce message s'annonce être comme le déclenchement de la partie. Il va falloir être très vigilant. Snarky, ah t'es là. Ah, y a des gens. Ouais. Comment ça, ah, c'est Snarky. T'as vu, j'avais raison sur le coup de Lupai. Ah ouais, bien joué, bien joué. Bon, de toute façon, au bout d'un moment, ils auraient tenté, donc que ça soit maintenant ou pas, bon. C'est juste maintenant qu'on est sûr, quoi, mais... Mais après, tu sais, une fois que c'était là que le truc est arrivé, genre, je suis allé me balader tout seul, j'ai vu leur groupe, et du coup, je suis vite parti, parce que bon... Ah ouais. Ouais, bah j'avais pas chaud, le beau devant 5 mecs, quoi. Mais, salut. Yo. Ouais. Vous avez confiance? Ouais, vas-y, ouais. Je te démonte. Certain? Ouais. Quoi? T'as confiance en Thomas? Ouais, en tout cas, je doute pas. Ok. Parce que vous avez des soucis pour moi, Zarma? Non, non, je demande, c'est inversement. Parce que toi, t'as confiance en lui, si tu préfères, voilà, aussi. Bah, je sais pas, juste, je sais qu'il traîne solo, c'est tout. Ok. Mais ça, chaque game, quoi. Et non, pourquoi ceux qui ont été call comme shifter, ils sont toujours pas apparus au zéro? Bah, ils étaient là, mais ils ont balancé des... Je pense que c'est les titans, moi. Personne ne les attaquait pas parce qu'ils sont archi pas shifter, jouerait là. Lupai, c'est Jelena pour moi. Soit Jelena, soit bestial. Bah, non, je pense pas soit bestial. Pour moi, il est... En gros, soit il est maga... Enfin, soit il est Annie enroulé, d'un des camps, soit il est... Enroulé par Magat, soit il est... Non, moi, je pense qu'il est vrai. Il est Jelena. Il est vraiment mort, Lupai, il s'est vraiment fait raise. Et il a noté les pseudos de qui l'a tué. Mais non, mais non, 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 c'est ça. Non, tu veux que je t'explique, Sofin? Bah attends, en fait, juste... Alors, j'étais sur un arbre... Non mais écoute, Sofin, parce que... J'étais sur un arbre avec Pegafish. Je vois Lupai arriver vers le groupe de Drashiox, Amine et Delta et Ghost Snowball et leur dire, les gars, venez, j'ai envie d'attaquer. Y'a Sabito, y'a Yoran. Oh, 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 j'ai des infos. Y'a Amine et Ghost Snowball, ils disent qu'ils sont pas méchants. Genre que c'était un malentendu et qu'ils se sont fait sauter après. Non mais écoute, non mais ça c'est ceux qui l'ont dit ça. Mais ça m'étonnerait qu'ils veulent faire un 3v2 direct comme ça. C'est eux qui l'ont dit, c'est eux qui l'ont dit ou c'est pas eux? Oui, c'est eux qui l'ont dit. Bah voilà frère, ça veut rien dire. Vas-y, vas-y, sauf. Ok, en gros, Lupin, il est soit Heroine, soit Armin. Il a eu des infos. Il a décidé de trust des mecs au pif pour pouvoir attaquer. En l'occurrence, il a voulu trust Ghost Snowball. Et Amine, du coup, il prend Ghost Snowball. Oui, voilà. Bah, Lupai, t'es mort. Ça, il est mort. Lupai, oui, Lupai. Peut-être, hein. Alors, explique-nous. Alors, il est pas mort, les gars, du il est pas mort. Du coup, les 4 mecs de Dami sont méchants. Oui. Bah, en fait, Lupai, voilà, t'as fait Delta Fox, t'as décidé de trust Ghost Snowball et Amine pour tenter d'attaquer avec eux. Mais comment ça, les autres, peut-être, ils ont dit qu'ils se sont fait sauter après, enfin, mais je sais pas si... Après, je sais pas, moi, je comprends plus rien, ça me fatigue, hein. Si, moi, j'ai compris. Le truc, c'est que ce que je comprends pas, c'est que comment Sofin il a l'info. Yo. T'as de l'info par ici? Bah, on discute par rapport à Lupai, parce qu'il est venu tout à l'heure dans le groupe là en disant que ce serait Ferez ou un bail du genre, et qu'il était bien gentil. Pas, hein, parmi les 4 personnes qu'il a dit. Non, non, mais, non, non, mais il a avoué qu'ils étaient méchantes, les 4 personnes qu'il a mis dans le chat. Mais, ah. qu'en fait, il se serait fait raise. Et qu'il a noté juste pour lui, il savait pas que ça allait partir, ceux qui l'ont tué, quoi. De quoi? Y'a Snowball qui a dit qu'il a fight avec Snowball. Ok, donc c'était bien ça. Bon, ok. Bon, voilà. Bon, bah, on peut trop ce qu'il a dit, du coup, j'imagine. Ah là, ouais. Bon, bah, évidemment. Mais du coup, ça veut dire que... Attends, Snarky, ça veut dire que par rapport à ce qu'il dit Sofin, ça veut dire que ce serait lui, du coup? Tu penses? Si Sofin a compris, y'a un mec derrière l'arbre. Je vois pas comment il pourrait le savoir, en fait. Soit il arrête, soit... Il n'y a pas de solution, en fait. Soit c'est Eren et il a vu qu'il était déjà mort. Non, mais je pense que Sofin, du coup, c'est Levi, hein. Ouais, probablement.
Avec cette information sur le rôle de Lupai, nous sommes maintenant quasiment sûrs que Sofin est Levi. Puisque dans cette nouvelle version de AOTUHC, une fois que le titan colossal est mort, Levi peut ressusciter Armin ou Erwin. Pour ceux qui ont vu l'anime, c'est une excellente référence. Le titan colossal ne faisant pas partie de la compo, Levi pouvait donc ressusciter à n'importe quel moment de la partie Armin ou Erwin. Il est donc impératif de retrouver Sofin au plus vite. Moi je pense que il faut aller avec Sofin. C'est comme avec toi en fait, genre il faut trust, hein. je sais toujours rien sur toi mais... Faut quand même trust quoi. Donc là on trouve Sofin, on reste avec lui. Ouh, sympathique ça. C'est vraiment le bruit des éclairs, pour moi c'est par là-bas. Ouais, bah, je te suis. En général les grosses transfos comme ça c'est souvent des titans. Ouais, bah oui. Ah. Barrez-vous vite. Ah non, t'es pas Levi du coup Sofin, putain mais... Non, c'est... Non mais comment t'avais l'info de du Rez? Je sais pas, je pensais que c'était la plus probable. Du coup, il y a Thomas qui pas joué dans la liste, qui sont en 500 IQ. Ouais, j'ai vu là-bas. Thomas, ils... En fait, par contre, c'était vraiment beaucoup sur eux. Du coup, attends, parce que il y avait qui? J'ai pas vu, j'ai vu juste Thomas. Thomas et les 4 que Lupa y a donné dans le chat. Ok. Bon, c'est Titan. Non, c'est Titan. Ouais, ils font beaucoup sur Titan, c'est sûr. Non mais, go rester ensemble. Et le truc c'est que je sais pas s'ils ont un bestial parmi eux. Est-ce que Younes est méchant ou pas? Allo. Est-ce que Younes est méchant ou pas? On sait pas. Parce qu'il est là. Mais en gros je peux te parler ou pas? Younes est avec nous dans un groupe avec Marc et je sais plus qui. C'est pas bon. Et regardez si vous avez Younes. Est-ce que je peux avoir un sur Mais moi, il y a un truc là que je. Je connais pas, mais on est d'accord, on a eu le message le machin RG là. Oui. C'est pas. Vous avez eu le message de tout aussi là? De quoi? Message de tout aussi? Le message d'Eren? Ouais. Non, le message du dessus là. Moi, j'ai eu un autre truc. Vraiment tout le monde est en train de crever, on va Une nouvelle info très importante vient de tomber. Le titan bestial a également subi des améliorations. Dans cette nouvelle version, il a également comme objectif d'enrouler un ou plusieurs soldats dans le camp des titans. Pour ce faire, il doit rester un maximum de temps proche d'eux. Et une fois que le titan bestial pense être resté assez longtemps près d'un joueur, il pourra utiliser une commande qui lui permettra de rugir. Tous les joueurs possédant uniquement le rôle de soldat simple deviendront alors des titans. Et ici, je suis resté à côté d'une personne a priori trop longtemps. Cependant, comme je ne suis pas soldat simple, je n'ai pas été affecté par le rugissement du bestial. Je pense que tout comme moi, vous avez maintenant des doutes sur l'identité du bestial. Non, en fait, c'est que du coup, je pense que Snarky, c'est le bestial. J'en sais rien si j'ai le droit de le dire ou pas, mais moi, j'ai eu, moi. Oui, ah, tu l'as eu? Justement, c'est ce que je t'ai demandé. J'ai demandé si vous aviez tous vu Knaz. Moi, Si Pégal a eu, c'est Snarky. Oui, parce que je suis, c'est le seul avec qui je suis resté le plus longtemps. Snarky, j'ai voulu tenter. Ouais. Est-ce que t'as eu Weakness? Et t'as traîné à qui dans la game? Moi j'étais avec Pegafil et sinon j'étais globalement tout le temps seul, je t'avoue. T'as passé que la game avec Pega? Bah oui. Ouais. Bougez. Ah non. Pega bouge. Ah putain, mais y'en a encore deux autres. C'est pas ce bordel. Non, Baleno, Sofin, faut qu'on reste ensemble. Les gars, on est avec Pouquin en fait. Hey, on a fait gaffe, tous les méchants attaqués hein. Oui, mais genre on était avec Pouquin. Bon, vous voulez pas que. Mais moi, tu veux pas quoi? Vous voulez pas qu'on soit snarké? Bah, en fait, j'attendais. C'est obligé, les gars, ouais, c'est obligé. Oui, mais attends, mais on va sur Clean Up. Le mec, il était avec eux il y a 5 secondes. Hein. Mais non, vraiment pas. Vraiment que c'est, hein. Snarky, mon frère. C'est fin, t'es très chier des caisses, mais là, j'ai vu avec toi, moi. Tu peux te transformer, Snarky. Bah, ouais, mais non, puisque j'ai pas de transformation, c'est ça le problème. Les gars! Sofin! Frère, Snarky est bien bestial et il a dit qu'il. Enfin, il a avoué quoi. Il est retourné sur ses mates, ils sont là-bas. Le truc c'est que moi je suis allé sur Snarky comme prévu, mais vous avez pas suivi, du coup j'étais tout seul. Non, en fait, on était sur Tipeee. T'as confiance en 100% quelqu'un ou pas? Ouais, je balle. Ok, bah je reste avec vous deux alors. Je vais avec eux, Master. Vas-y, bah on fait ça. Hein. En fait, juste, moi, ce que j'ai peur, c'est que Pega soit soldat.
qu'il ouais. était transformé par Snarky. Ouais, non, mais ça. Je peux pas vous bait, je savais pas comment ça marchait. Ouais, mais nous on est obligés sans doute. Ils nous ont vu, hein. Je vous dis, ils nous clairement vu. Ah, on les fight, hein. C'est ce que je te dis. Oh, vas-y, dead. T'es un peu devant, sauf, hein, fais attention. Putain, j'ai bouffé ma. Oh, mon avant-dernière gap. Pour fight. En fait, c'est... attends, vous êtes sûr que c'est les méchants, là ? C'est qui devant ? C'est qui ? Delta, Delta, venez là, venez là. Okay. Il y a Rose Abus ou quoi? Ouais. Oh, je sais pas. Malhanot, viens là, ouais. Malhanot. Alors en fait, ouais. Je suis mouru en fait. Ouais, mais Alina. Prends le menu, par contre. Oui, par contre. Oh, c'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance. Vraiment, on a vraiment c'est zéro là. À gauche, les gars, il y en a d'autres là. Il y avait Delta qui est parti par là-bas. Putain. Ouais, j'ai plus qu'une gap, les gars, je vous le dis. Oh, en vrai, j'espère vraiment qu'il y a un shifter parmi nous, qu'au moins on puisse tenter un truc, quoi. Il y en avait d'autres là-bas, les gars. Ouais, vas-y, on va là-bas. Comme par hasard, le seul que j'ai en visuel, je peux grappin dessus, ouais. Ça, quoi. Fion. Ah, bah, cours, frère. Adieu. Putain, bah oui, il fallait pas passer devant. Il a raté son MLG, hein. Il doit être low. Oui, il fait un vite fait, quoi. Nice grappin, ça. Oh, c'est trop chiant. Putain, c'est trop chaud de prédire avec les putains d'arcs. Nice. Bien joué, les gars. Jules, parce que là, ça commence à être la crise. Par contre, je suis toujours à faire pas faire. J'en ai 12, j'en ai 12. Moi, c'est moi qui ai eu. C'est caca, une charge j'en ai 4 deux, fer ou un truc comme diamant, je veux. T'en as combien? Deux. Moi, en fait, j'ai une charge 4 fer, pas. Mais elle a que notre je veux bien, moi. Qui a une charge 4 en plus? Ah, mais ami, il est. C'est toi, Master? Ouais. Je veux bien, s'il te plaît. Les gars, mais attends, mais ça veut dire un truc, ça veut dire deux trucs. Ça veut dire que Master, t'es potentiellement aussi. Et Oui, bon, c'est ça. Non mais parce que t'es... Non mais gros, tout à l'heure t'as dit j'avais confiance en Sofin, tu voulais te chercher, j'avais je sais pas quoi. J'avais confiance, j'ai dit cette seule... J'ai dit, il me semblait... Oh. À droite. À droite. Là. Là, 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 là. Fais gaffe, il... ça, je suis désolé, mais... Ouais, mais c'est pas grave, frère, vas-y. En gros, tu nous as pris pour un compte, en fait. Il y avait Amine, il reste. Ouais, bon, mais Amine, c'est utile, franchement, frère. Je préfère, en fait, je préfère laisser Amine en vie que toi, la petite... On a deux rôles pétés sur le cul, quoi. Ouais. Y'a Younes. Ah merde, j'en sais rien. Non, non, je sais pas, Younes, je sais pas. De toute façon, c'est groupe de 3, je peux pas vous aider. Si j'ai ils sont là. Mais alors, les shifters, c'est vraiment pas nous, quoi. Si, on est 3. On est 3, mais ils sont pas la baleine, moi et. Oh, ouais, vous voulez pas tuer les shifters, ils sont derrière moi. Mais gros, les shifters. Genre, on est vraiment pas les shifters, hein. Mais il est complètement con, ce fils de pute. Il a pas vu qu'il restait que 2 shifters, en fait. Ah, mais je continue pas du tout, juste au courant, en fait. Juste, je viens avec toi parce que j'ai pas le choix. Ah, mais ok, mais Yohan c'est pas un. Ok. Attends, mais. Pourquoi il fuit là? Je comprends pas. C'est un rôle solo, Yohan, ok. Oui, Yohan c'est un rôle solo, on va dire tout à l'heure. Oh putain! Il a ouais, TP. C'est TP. Oh, il a ah, c'est bien joué. Tout le temps seul. Oh, il a bien joué. Je sais pas où, hein, j'ai. Ouais. Ouais. Le Ringancy. Les taux se resserrent quant à vous, messieurs. Ah, oui, oui. Je pense que. Je pense que vous êtes les deux derniers, mais. Ça serait terrible, hein. Alors, en même temps, bon. Vraiment pas, gros. Genre. Je le pense, en fait, je le pense fort, mais. Quand j'avais soif avec moi, si j'étais des shifters, gros. Non, parce que. Enfin, vous êtes intelligent, vous allez pas attaquer des soldats, quoi. Moi, j'en ai vraiment plus, gros. J'en ai plus. J'en ai 7, mais bon. T'es pas m'enfiler au moins une? Je t'enfile une, mais je sais que t'es un shifter, c'est sûr. Oui. Erreur, Gabi. Ah ouais, donc c'est Eren en fait, Yohan. Ouais. Voir. Ah, oh bah oui, non mais d'accord, bah c'est forcément au moins un de vous deux qui est shifter, c'est sûr du coup. Ouais, par contre, c'est pas 100%.
Mais de toute façon, Pega, on va te le dire, c'est nous les deux shifters, mais c'est plus jouer. Bah ouais, mais je sais, j'avais bien capté, je l'avais capté avec sa fin. Trop le choix. À gauche, j'entends un truc à gauche, Comme ça. Par là. Ouais, là. Ah, coucou. Ouais, voilà. Franchement, si moi je suis bestial, ce serait pas mal quand même. Ouais, ouais, toi t'es bestial. Bah, gros, moi je suis un résultat. Ouais, juste là, les gars, juste là. À gauche, à Thomas. Ouais. Thomas, il va être dur à descendre. Mais il fuit. Je sais pas pourquoi ils fuient tous. Mais ils fuient à chaque fois, gros. Bon. Bah ouais, mais... Ouais, j'y vais. Hein. Que... Oh les gars. Oh, je fais glitch. Ah, vous vous fightez, attends. Les gars Ouais, les gars. Ouais, excusez-moi. Vas-y, pas, vas-y. Ça, on ne le savait pas du tout. On fight pas. C'est bien, ça. Ouais, bon, mes frères. Allez, gars, on y va sur. Désolé, je te mets un coup. Salut, mec. Glitch, frère. Ah, pardon. C'est de la vie, hein. C'est bon. Ok, on s'éloigne. Pariolo, il était mal, les gars. Désolé, les gars. C'est compliqué, je vais contre les casques 2. Arrête de courir. Bon. Ouais, il fait trop mal. Et c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like, ça me fait toujours super plaisir. Et si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à me le faire savoir avec le petit hashtag V3. Je tiens à m'excuser pour la qualité du montage et de la game, puisque j'ai fait ça un petit peu en rush pour vous annoncer que ce soir on teste officiellement la V3 sur le serveur Golden UHC. Et la game n'était pas non plus exceptionnelle. Je sais que vous attendiez 50 kills, des retournements de situation, etc. Mais je trouvais tout de même qu'elle était très bien pour introduire les futures nombreuses vidéos qui arriveront très bientôt sur la chaîne avec la V3 de AOTUHC. J'espère donc vous voir nombreux ce soir sur ma chaîne Twitch. En plus, nous venons de passer partenaire, donc on va fêter tout ça. Ceci étant dit, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Merci encore à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais des bisous, c'était Pegaphil. À très bientôt, ciao ciao.